Et bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour sur Slay the Spire. On a fait des games avec la gardienne et comme d'hab, on est éclaté avec la gardienne. On est éclaté à jeu de toute façon. Et du coup, on va continuer l'ascension, mais avec le défectueux, qui est un gameplay que je préfère. J'avais ce qu'il fallait non, avec la gardienne, c'est à chaque fois je prends le risque de prendre la colère et. Je sais qu'il faut pas que je joue avec la colère. Alors, transformer une carte, récupérer Sandor. Transformer une carte. On va transformer la double activation. Fermer. Piocher une carte supplémentaire au début de chaque tour. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Alors, il est où le. Ah, il est là-bas, il est tout au fond. D'accord, bon mais on va partir par là et on va faire la diagonale. Ah 12, ah bah dès le début 12, super. Un point de dégâts, mais bon, c'est pas grave. Alors, nous avons visé les yeux, attaque qui coûte 0, infliger 3 de dégâts, si l'ennemi compte attaquer, appliquer un de faiblesse. Sang-froid, compétence qui coûte 1 point d'action, canaliser un orbe glaciaire, piocher une carte. Et pile, compétence qui coûte 1 point d'action, gagner autant d'armure qu'il y a de cartes dans votre défausse. Non merci, on va partir sur viser les yeux. Vise les yeux. C'est pas une carte que j'apprécie beaucoup, mais. Acheter des potions, on va en prendre pour 40 d'or. Un bras émerge de l'obscurité et vous traîne dans une petite boutique. Une fois votre vision ajustée, vous distinguez une femme au teint pâle et élégamment vêtue qui vous indique un mur de potions. Achetez une potion maintenant, dit-elle. Bien, maintenant partez. Vous quittez prudemment la boutique. La vente forcée, ça, je reconnais. Alors on a pris quoi? On a pris potion de concentration pour avoir deux de concentration. Mémoire liquide, choisissez une carte de votre défausse et mettez-la dans votre main. Elle coûte 0 points d'action et 12 d'armure. Et une popo pour mettre 12 d'armure. Ok. Kaka! On va prendre les 4 de dégâts, tant pis. Et fini, finito.
Rebond, attaque qui coûte un point d'action. Infligez 9 de dégâts. Placez la prochaine carte que vous jouez ce tour au sommet de votre pioche. Turbo, compétence qui coûte 0. Gagnez 2 points d'action. Ajoutez 1 et 1 dans votre défausse. Cible, attaque qui coûte un point d'action. Infligez 8 de dégâts. Appliquez 2 de ciblage. Ciblage, les ennemis verrouillés reçoivent 50% des dégâts supplémentaires des orbes. On va prendre la cible. Tac. Là, on va dire. Vous tombez dans une flaque. Elle est composée d'une substance visqueuse. Vous vous débattez frénétiquement pendant de longues minutes car vous sentez que la substance commence à vous brûler. Vous en avez dans les oreilles, dans le nez, partout. Vous vous hissez hors de la flaque. Et vous vous rendez compte qu'il vous manque une partie de votre or. Vous scrutez la flaque et repérez les pièces manquantes agglomérées à l'or d'autres malheureux aventuriers. Est-ce que je perds 11 points de vie là? J'en ai pas mal, on peut tenter. Vous éprouvez un picotement dû à l'exposition prolongée à cette substance visqueuse. Bien que celle-ci commence à vous ronger la peau, vous parvenez à repêcher l'or. Peut-être était-ce un risque inutile, mais on ne le saura pas pour le moment. Merde! Pensais que ça le toucherait au moins. C'est quand même malheureux ça. J'ai perdu 8 points de vie pour rien. Quel couillon. Du coup, rebond, turbo. On va prendre la griffe. Attaque qui coûte 0, inflige 3 de dégâts. Toutes les cartes griffes font 2 de dégâts supplémentaires ce combat. Plus on les joue, plus elles font de dégâts. Donc on remonte. On prend la clé. On va à l'élite. Ah! C'est le fameux élite. Seize de dégâts. Et voilà. Toi, ah, la main momifiée. Lorsque vous jouez une carte pouvoir, le coût d'une carte aléatoire de votre main passe à zéro pour le tour. Ah, c'est cool, je vais pouvoir faire un deck pouvoir si je trouve des cartes pouvoir, bien sûr. Et bien sûr, on a des cartes pouvoir.
Que de ça. Dissipateur de chaleur, pouvoir qui coûte un point d'action. Quand vous jouez un pouvoir, piochez une carte. IA créative, pouvoir qui coûte 3 points d'action. Au début de chaque tour, ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main. Et tampon, pouvoir qui coûte 2 points d'action, empêche votre prochaine perte de PV. On va prendre IA créative. Faudra améliorer un moment ou un autre, mais là on va se contenter de se reposer. Oh, les shurikens, j'aime bien aussi. On va prendre la clé saphir, c'est mieux. Vous passez à côté d'un sinistre statue portant plusieurs masques. Quelque chose derrière vous murmure doucement stop. Vous faites demi-tour pour vous retrouver devant la statue qui vous fait maintenant face. En y regardant de plus près, ce n'est pas une statue, mais un homme maigre et sculptural. Respire-t-il seulement? Visage, laissez-moi toucher, peut-être échanger. Alors, échanger en 50-50, on fait le 50-50. C'est pour moi, ah oui. Vous voyez un de ses bras scintiller, votre visage est dans sa main. Votre visage a été échangé. Beau visage. Masque de Enlots. Le prochain coffre non-boss que vous ouvrez sera vide. Ah, quel enculé. Vraiment pas très sympa ça. Merde. On aurait pu mieux jouer que ça, mais tant pis. Jouer chaque tour et jouer deux fois. Ah! Il risque de se casser, Jean-Patrick, là. Bon, tant pis. Prenons risque. Super, c'est de la défense. Qui devient gratuite, je suis dégoûté. Est-ce que je vais réussir à lui faire tous ces dégâts là qu'il demande? Prochaine carte et jouer deux fois. Moi, c'est bon. On le tue quand même, il se barre pas. Ah. Orage, pouvoir qui coûte un point d'action. Quand vous jouez un pouvoir, canalisez un orbe chironique. Ah, c'est cool, on va avoir un bon deck pouvoir, ça va être rigolo, j'adore le deck pouvoir. Il manque plus qu'à me trouver la statue de Piaf là. Les pouvoirs nous rapportent. Nous régénère. Après, j'ai pas de défense aussi. Ce serait bien d'avoir un peu de def.
toutes mes cartes. J'ai joué toutes mes cartes. Pas de bol, ça peut pas tomber sur les autres pouvoirs. Alors, Hello World, pouvoir qui coûte un point d'action. Au début de chaque tour, ajoutez une carte commune aléatoire à votre main. J'adore ce pouvoir aussi. Sinistrose, attaque qui coûte 2 points d'action. Infligez 10 de dégâts à tous les ennemis, canalisez un orbe obscur. Autoréparation, pouvoir qui coûte un point d'action. À la fin du combat, récupérez 7 PV. J'ai envie de prendre l'autoréparation. Mais il vaut mieux un pouvoir utile. Ouais, non, on va prendre l'auto-réparation. Histoire d'assurer le coup. Est-ce que je vais réussir à le buter? C'est la question. Est-ce que je vais mourir comme un caca? C'est fort possible. Oh, je vais prendre 12 dans les dents dès le départ. Et non. Je vais prendre 9. Ah non, pas 9. Je suis con. 7. Être compliqué là. Compliqué de survivre. Attends, faut faire le ciblage d'abord. Comme ça, il perd son truc. Hein? Oh non, mais ça fait 9 de dégâts. Je vais quand même crever comme un chien. Oh, j'en ai marre. Putain, j'avais un bon deck. Fais chier. Je suis dégoûté, à chaque fois que j'ai un deck qui me plaît, je fais n'importe quoi, j'arrive pas à passer. C'est pas ma journée aujourd'hui. Allez, on y retourne avec lui. Allez, les trois premiers ennemis ont un point de vie. Du coup, on va vers lui. On va passer par là pour voir s'il n'y a pas des cartes intéressantes au premier magasin. Alors, Overclock, compétence qui coûte 0, piochez 2 cartes, ajoutez une brûlure à votre défausse. Éraflure, attaque qui coûte 1 point d'action, infligez 7 de dégâts, piochez 4 cartes, défaussez directement celles qui ne coûtent pas 0. Et fuselage, attaque qui coûte 2 points d'action, infligez 15 de dégâts. Quand vous jouez cette carte, son coût est réduit de 1 pour le combat. Pour le combat, pardon. Remontée du taboulé. Oula. Prendre des raflures. Le marchand. Il y a orage. Je veux orage.
Même si on n'a pas d'autres cartes pouvoir. Et il y a celle-là aussi qui vient. Voilà. Vague de froid, attaque qui coûte 1 point d'action, infliger 6 de dégâts, canaliser un orbe glaciaire. Récursivité, compétence qui coûte 1 point d'action, activer votre prochain orbe, canaliser l'orbe que vous venez d'activer. Et recharger les batteries, compétence qui coûte, coûte 1 point d'action, gagner 7 d'armure, au prochain tour, gagner 1 point d'action. On va partir sur vague de froid. Parce que l'autre en a déjà une. Voilà. Ah. Dissipateur de chaleur, pouvoir qui coûte un point d'action. Quand vous jouez un pouvoir, piochez une carte. Énergie double, compétence qui coûte un point d'action, doublez votre énergie, épuisement. Turbo, compétence qui coûte 0. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Et on prend le pouvoir parce que on a orage. Et orage, c'est très bien. Je fous le bourrine. J'aime bourrine. Tac. Tac. Et il est mort. Voilà. Que de la merde. Alors, pile compétence qui vous donne un point d'action, gagnez autant d'armure qu'il y a de cartes dans votre défausse. Hologramme, compétence qui coûte un point d'action, gagnez 3 d'armure, ajoutez une carte de votre défausse à votre main. Et déluge, attaque qui coûte un point d'action, infligez 4 de dégâts pour chaque orbe canalisé. On va prendre hologramme. Ça peut être intéressant. Allons sur l'élite. C'est l'élite de tout à l'heure. Et peut-être qu'on va peut-être pas crever là ce coup-ci. Peut-être que ça va se passer comme ça. Hein. Et peut-être pas. Tout, 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 tout. Alors, tac, tac,
Et quand j'aurais dû prendre. J'ai pas de carte qui coûte 0, j'aurais dû récupérer des cartes. Je récupère des cartes qui coûtent 0. J'ai un truc pour repiocher les cartes qui coûtent 0. Ça va être dur là. Toujours pas ce qu'il me faut. Hein. J'ai ajouté quelques trucs intéressants, mais. Ah là là, ça m'énerve. C'est l'enfer. C'est bon, on va peut-être finir avec 40 points de vie finalement. Ah, j'y ai cru, pourtant. Ça sera 39 points de vie peut-être. Il était long ce combat. Alors, statue blanche, bestiale, des potions apparaissent toujours dans les récompenses après un combat. Ça peut être très bien ça. Et émeraude. C'est quoi la potion? Gagner deux emplacements d'orbe. Alors, glacier, compétence qui coûte 2 points d'action. Gagner 7 d'armure. Canaliser 2 orbes glaciaires. Deux orbes glaciaires. Condensateur, pouvoir qui coûte un point d'action, gagner deux emplacements d'orbe. Et faisceau balayant, attaque qui coûte un point d'action, infliger 6 de dégâts à tous les ennemis, piocher une carte. Et nous, on va partir sur condensateur. C'est ce qu'on aime. 39, est-ce que c'est un risque? Ouais, on va prendre le truc, ça reste un risque, mais tant pis. On peut avoir des potions à chaque fin de combat, donc. Il y a moyen que ça devienne intéressant.
Ah bah là c'est full attaque. Hein. On va manger chaud là contre lui. Un stade où c'est marrant. Points de vie. Trois points de vie. Oh là, je savais que je galérerais contre lui. Mais pas à ce point. Points de vie. Je suis dans la banane au début de chaque combat de boss, récupérer 20, 25. Faut déjà arriver au boss. IA créative, on prend. Ah, il y a un feu de camp là. Là, ça nous offre des choix plus intéressants, donc on va prendre celui-là. Le coursier, j'aime pas. La clé saphir, ça ira très bien. On dort. 25 points de vie, ça reste tendu, 25 points de vie. Hein. Tout, tout, tout. Ça augmente ta force. Ce temps-là, tu nous attaques pas, nous ça nous va. Voilà, c'est réglé. Eux, c'était facile. Bénédiction de la forge. Améliorez toutes les cartes dans votre main pour la durée du combat. Ah, du coup. Faisceau, on l'a déjà vu. Foudre en boule. Attaque qui coûte un point d'action. Infligez 7 de dégâts. Canalisez un orbe chéronique. Ténèbres, une compétence qui coûte un point d'action, canaliser un orbe obscur. On va faire la foudre en boule.
On va prendre la foule en boule. Ah, super. Ah non. Attends, je veux essayer ça. Peut-être prend moins de dégâts, là, ce sera peut-être plus intéressant. Et la moitié de 60, c'est 30. Ouais, 33. 4 et une boule, ouais, donc normalement. Mon calcul est bon, oui, mon calcul est bon, ça me rassure. Dédoublez-vous. Et voilà. C'est cheaté, mais j'ai toujours pas de vie. Faut que je fasse gaffe. Alors, désassemblage. Attaque qui coûte 3 points d'action. Infliger 24 de dégâts. Si l'ennemi succombe, gagner 3 points d'action. Et ben celle-là, elle m'intéresse. Vu que c'est la seule qui m'intéresse, en fait. Les autres m'intéressent pas. Hop là. On a que 15 points de vie, donc on va essayer d'aller sur. On va essayer d'éviter l'élite. Ah, on tombe pas sur le mieux là. Oh, aïe, aïe. 6 et 6, 12. 22, 26. Comment je fais moi pour éviter 26 de dégâts? J'en évite pas 26. Suis mal. Je suis mal, je suis mal. Rester un de vie et j'ai pas d'AOE, ça va être merveilleux ça. Putain, j'ai rien. J'ai rien. Je suis mort. Soit je parie sur ma chance. Bon, autant parier sur ma chance.
Yes! J'ai parié sur ma chance. C'était la bonne solution. Il faut parier sur sa chance. Prends griffe. Qu'est-ce que c'est, un combat? Vous croisez un piédestal de des plus anodins sur lequel trône paisiblement une idole dorée étincelante. Elle vous semble extrêmement précieuse. Vous ne remarquez aucun piège alentour. Obtenez une idole dorée, déclenchez un piège. Courir à toutes jambes pour avoir la blessure, tandis que vous saisissez de l'idole, la mettez dans vos affaires, une énorme rocher fracasse le plafond et s'écrase au sol juste à côté de vous. Ce n'est que lorsque le rocher se met à rouler que dans votre direction que vous vous rendez compte que le sol est incliné. Vous sautez de justesse dans un passage latéral avant que le rocher ne passe à toute vitesse. Malheureusement, vous êtes fait mal quelque part. Je vais récupérer mes 25 points de vie en plus. Oui, c'est parfait. Pas optimal. Là, c'est parfait. Alors je vais la défensive là, par contre, ça serait bien. Oui, la défensive. Tout, 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 tout. Peut-être un truc à jouer. Je me défausse de toutes les cartes. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à jouer. Au moins, essayer de prendre le moins de dégâts possible. Première carte, ça c'est. Il est infâme ce truc. Quatorze sur les 20 que je vais prendre. Prends encore trop de dégâts.
Voilà, exterminer, c'est bien. Deux, trois, oui, c'est bon, on a assez de dégâts, donc je vais faire ça pour avoir un point d'action en plus pour le tour d'après. Un bon rythme. Quand même prendre des dégâts, mais c'est pas grave. Là, on a beaucoup d'orbes quand même. 9 orbes. Impeccable. 52 dégâts, ça va être facile. Des orbes, des orbes, des orbes. Et c'est fini. Combat facile. Alors, compétences, recherche, coûte 0. Choisissez une carte de votre pioche et ajoutez-la à votre main. Ultra laser, attaque qui coûte 2 points d'action, infligez 26 de dégâts à tous les ennemis, perdez 3 de concentration. Ça, j'aime pas. Activation multiple. Compétence, activez votre prochain orbe X fois. Ça peut être bien, activation multiple. Prendre ça. Alors, ectoplasme, gagnez un point d'action au début de chaque tour. Vous ne pouvez plus gagner d'or. Pierre philosophale, gagnez un point d'action au début de chaque tour. Tous les ennemis commencent avec 1 de force. Et quand vous l'obtenez, vous obtenez une potion, gagnez 50 d'or, augmentez vos PV max de 5. Ben on va prendre le truc sans or. Non, on va prendre ça. Même si on prend des dégâts, c'est pas bien grave. Plus la pierre philosophale. La pierre philosophale. Alors, par où on part? Mieux passer par le milieu. Par là.
Ça va être dur là parce que j'ai pas fait de dégâts. Pourquoi ils font autant de dégâts tout à coup? Ah! T'es sérieux? Oh putain, ça me gonfle ça. Putain, je suis dépité, je prends de cher pour rien là. J'attaque bien là. Le premier combat, je prends super cher. Bam! 24 dans la gueule, ça lui fera les pieds. Mais bon, on a pris trop cher. Alors, bouclier automatique, compétence qui coûte un point d'action. Si vous n'avez pas d'armure, gagnez 11 armures. KO, plus compétence qui coûte un point d'action, gagnez 2 orbes aléatoires. Et visez les yeux, attaque qui coûte 0 point d'action, infligez 4 de dégâts si l'ennemi compte attaquer. Appliquer deux de faiblesse. On va prendre ça. Je suis mal avec mes 23 là de. Ah, on va lancer la roue, on va voir ce que ça donne. On a de la chance. Non, on n'a pas de chance. Déclin jouable à la fin du tour, subissez 2 de dégâts, super. Où est à déclin pour changer de vie? Merde, j'avais 4 trucs, je sais pas pourquoi j'ai pas attaqué, je suis con. De dégâts, visez les yeux. Alors attends. Oh putain, ça va être chiant au possible ça. Non. Je vais encore me retrouver avec un point de vie là, c'est pas possible ça. J'ai vraiment pas de bol moi. C'est parti là, voilà, c'est vraiment la chiasse. Les deux dernières parties, c'était la chiasse totale. Il inflige 2 de dégâts à la fin.
Algorithme génétique, compétence, gagner 1 d'armure après avoir été joué. L'armure de cette carte augmente de 2 définitivement. Fusion, compétence coûte 2 points d'action. Canaliser un orbe plasmique. Hologramme, compétence qui coûte 1 point d'action. Gagner 5 d'armure, ajouter une carte de votre défausse à votre main. Allez, on prend l'algorithme génétique. Voilà, pour éviter le combat. Lorsque vous jouez une carte, pouvoir récupérer 2 points de vie. J'ai bien fait d'aller là. Vous rencontrez une longue ligne de silhouettes encapuchonnées. Entrez dans une modeste cathédrale. Perdez 6 points de vie, j'ai pas 6 points de vie à perdre donc. Naturellement, vous rejoignez le rang et êtes rapidement encerclé par des adeptes. Ils vous ignorent et chantent joyeusement en agitant leurs armes. Meurtre, meurtre, quoi, 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 meurtre, meurtre, quoi, meurtre, 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 quoi, quoi, quoi. Vous apercevez une boîte de dons. Volez la boîte. Ils n'ont même pas remarqué. Du coup, on évite cette élite-là. On va se régénérer là parce qu'on n'a pas de vie. Maintenant, dès qu'on joue des pouvoirs, on peut se régénérer. Donc, on va pouvoir peut-être. Oh là là, ça va être compliqué contre eux. Soit je canalise un autre orbe, soit j'essaye de jouer la défensive. La défensive, mais ça me fait chier, putain, j'en ai marre, je vais encore galérer contre eux là, c'est chiant. Ils gagnent en pouvoir et tout, j'ai passé l'attaque. Oh là là, je vais encore perdre, ça m'énerve. Ah, mais je peux rien faire, je peux même pas choisir qui j'attaque. Passe ça. Ça et prier que ça tombe sur la bonne personne. C'est pas tombé sur la bonne personne. Donc on est mort. Quoi qu'il arrive, on est mort. On est ras le cul de ce jeu, putain, il y a des moments. Voilà, je récupère le bon truc, mais j'ai que cette espèce de IA créative qui me fait chier là à chaque fois, et voilà. Y a de quoi rager des fois. Je rage pas, je rage pas. Eh ben, du coup, merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Je vous offre un sourire.